Boris, c'est ma chambre. Non. Non, pas des briques, ni des ballons. Montre-moi autre chose. Oh oui, ça c'est joli, hein. C'est joli, hein, Boris? Non, pas question, tu m'entends? Ah ouais, celui-là, il est beau. Mais non, pas du tout, c'est juste des feuilles mortes. Et celui-ci, Boris? Non, non, non. Mais si, mais si. Arrête, le chien. Et celui-là? Mais je suis pas une fille, moi. Mais si, celui-là, c'est mieux. Oh, t'as vu, fille, comme ça, maintenant. C'est ma chambre, c'est moi qui ai choisi. Allez, allez, du balai. Puisque c'est comme ça, nous on boude. C'est ça, boudez, si ça vous amuse. Moi, je m'en fiche. Hé, enfin tranquille. Alors, et celui-là, il te plaît? C'est trop rond, on dirait des bulles. Et celui-là? Non, trop droit. Maman, je ne suis pas un poisson. Et là, c'est trop sombre. Ah, bien trop bruyant! Ça, c'est vraiment trop idiot. Ça, c'est vraiment moche. Trop bizarre. Un peu trop brouillon. Non, ça, c'est trop nunuche. Non, non! Non et non! Oui, celui-là, c'est trop... Ah, il ne reste plus que des couleurs unies. Maman, stop! Ton crayon, s'il te plaît. Merci, maman. Alors... Et voilà. Tu vois, maman? C'est ça que je veux. Ah, très bien, Boris. Alors, les enfants, ça vous plaît pas comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ils auraient préféré les grenouilles. Moi, les fleurs. Moi, je préfère les nounours. Les feuilles, c'était pas mal quand même. Bon, allez, c'est l'heure de dormir dans ma jolie chambre. Bonne nuit, les amis. Boris, vive la nature. Salut, chien. Salut, canard. Autant, pas vrai? Salut, Boris. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Boris? Là. Je ne sais pas. C'est comme si mes bras devenaient complètement fous. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vite, vite. Je vais aller déraciner cet arbre là-bas. Et calmera mes petits bras. Arrête, Boris. Laisse cet arbre tranquille. Il ne t'a rien fait. Vous inquiétez pas, les jouets. Regardez comme la nature est bien faite. Elle a fait les arbres bien solides pour que je calme mes petits bras. Regardez, maintenant ce sont mes pieds qui deviennent foufou. Allez, je dois courir le plus vite possible pour les calmer. Je crois que j'ai compris. Moi aussi, il accuse ses petits bras et ses petits pieds, mais en fait... C'est lui qui a envie de faire son petit fou. Ça va, Boris? Rien de cassé? Tranquille, la nature a tout prévu. Elle a même fait pousser l'herbe pour qu'on ne se fasse pas mal quand on tombe. Oui, mais regarde, tu es tout sale maintenant. Tu vois, la nature n'est pas aussi bien faite que tu le dis. Regardez, un nuage de pluie arrive vers nous. Ouais, et alors? Alors, hop. Et voilà, je suis tout propre. Tu vois, j'avais raison, la nature est vraiment bien faite. Oui, mais tu es tout mouillé maintenant. Ah.
Voilà, je suis tout sec. Merci qui? Merci la nature. Ah, Boris, c'était quoi ce bruit terrible? C'est mon ventre. Il fait ça quand j'ai faim. Il fait ça quand j'ai très très faim. Elle va faire quoi la nature pour calmer ton ventre? Des tartines de confiture qui vont tomber du ciel, c'est ça? Ça c'est fastoche. Regardez là-haut. Oh, un avion en papier. C'est quoi? C'est un message de maman. Et tu sais lire toi? Oui, elle dit que c'est l'heure du goûter. Youpi! Vous voyez, j'avais raison, la nature a tout prévu. Mais Boris, c'est maman qui t'a envoyé le message, pas la nature. Bien sûr que si, parce que maman, c'est ma nature à moi. Merci la nature. Boris! Salut, t'es qui toi? Tagda, tagda, tagda! Blam! Paf! Hey, attends-moi, on n'a pas fini de jouer, je te signale. Viens ici. Tiens. Bouh. Mais t'es qui, toi? Moi? Mais je suis toi. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Si, si, c'est vrai. Attention, tu vas tomber. Je suis vraiment un grand maladroit. Ça, c'est incroyable. Moi aussi, figure-toi. Mais puisque je te dis que je suis toi. Venez vite, les amis. Il y a un drôle de petit bonhomme avec une drôle de tête. Et il dit qu'il est moi. Mais qu'est-ce que t'as encore inventé, c'est Boris? Regardez, il a quand même une drôle de tête, non? Mais Boris, c'est toi. C'est juste ton reflet dans le miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes, canard? Oh, misère. Et en plus, je suis bête. Oh, toi, ça va, hein? Et toi, tu veux dire que j'ai une drôle de tête, peut-être? Ah, les miroirs ne mentent jamais. C'est bien vrai, ça? Oui, je dis toujours la vérité. Très bien, miroir. Alors, dis-moi que je suis le plus beau Boris de la Terre. En vérité, de tous les Boris de la Terre, c'est bien toi le plus moche. Oh, bon. Allez, vous trois. C'est malin, ça. Et toi, tu es un gros menteur. Je vais le prouver. Pose toujours. Maman, maman! Eh bien, que se passe-t-il, mon petit chéri? C'est lui, maman. Il dit que je suis moche. Mais pas du tout, mon chéri adoré. C'est toi le plus beau. Et je t'aime. Et ah, eh ben, dis donc. C'est qui le plus beau? C'est moi. Bon, bah, je préfère m'en aller, moi. C'est ça, Valvoyeur. Où est-ce qu'on en était, déjà? Ah oui. Attends, Boris. Ben, quoi? Je voulais te dire que moi aussi, je te trouve très beau. Oh, merci, la balle. C'est vraiment gentil de me dire ça. Ça me touche beaucoup, tu sais. Oui, je t'aime beaucoup quand même, Boris. C'est peut-être ça qui fait son charme, après tout. Boris. Roger le robot. Et le
Rendez-vous vite, le jouet. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah bon? Encore? Et t'as quel âge, Boris? Moi, j'ai un an. Hein, quoi? Plus un an, plus un an, plus un an. Bah alors, ça fait 4 ans? Mais non, pas du tout. Si j'avais 4 ans, j'aurais un seul gâteau d'anniversaire. Mais comme j'ai un an plus un an plus un an plus un an, j'ai un gâteau plus un gâteau plus un gâteau plus un gâteau. Miam! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Boris! Joyeux anniversaire! Bravo! Bon anniversaire, Boris! Miam, mon petit front! Et maintenant, j'ai un cadeau plus un cadeau plus un cadeau plus un cadeau! Tiens, Boris! Oh! Une tête de robot! Oh là là! Un corps de robot! Ouais! Des bras de robot! Youhou! Des pieds de robot! Bonjour, je suis Roger, le robot. Bip, bip, bip. Un robot? Un robot! Merci maman, merci papa! Bon anniversaire, mon chéri. J'ai un robot. Alors, Roger, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Bip, bip. Je sais faire plein de choses. Par exemple, je sais compter jusqu'à 4. Ah oui? Alors, combien ça fait? Petit canard plus un ours. Ça fait exactement 2 pignouf. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est drôle, Roger. Alors, on réessaye. Une vache plus un clown plus un serpent. Combien ça fait, Roger? Ça fait 3 andouilles. Oh, ben ça! Quoi? Encore plus difficile. Un cube plus une brique plus un râteau plus un marteau. Ça fait 4 petites crottes. Oh non, mais quel culot! Non, c'est incroyable! Focus, Roger! Oh, Roger, tu es trop drôle! C'est parce que je suis programmé pour dire 3 bêtises par jour. Ah, moi, les bêtises, je les fais. Tiens, regarde. Hop! Mais je ne peux pas les compter, haha! Il y en a beaucoup trop! Eh ben, ça promet! Je te le fais pas dire! Arrête, l'ours! Boris et Pan. Boris, Boris, on peut jouer avec toi, Boris? Chut, pas un bruit. Mais et pourquoi tu portes ce masque? Mais vous êtes bête ou quoi? C'est pour pas qu'on me reconnaisse. Ça sert à rien de mettre un masque, Boris. On t'a tout de suite reconnu avec ta grosse tête de Boris. Eh oui, c'est bien lui. Oh, c'est bien. J'allais me faire rater mon plan. Quel plan? Chut. Mon plan d'attaque. Quelle attaque? L'attaque de papa. Je vais attaquer papa à la cave. Tada! Oh, je me sens pas trop sur ce coup-là. Oh, les mains, papa. Aïe! C'est toi, Boris? Oui. Que cela te serve de leçon? On ne tire pas dans le dos des gens. Tu parles trop, pied tendre. Mais j'ai pas de pied. Bon, alors, oh les mains! J'ai pas de main non plus! Ça suffit! Va! Aïe! Un commentaire. Ah ah! Toi, tu ne m'échapperas pas! Je t'ai eu! C'est moi le meilleur tireur de l'Ouest! Oh, toi, ça va, hein? Et toi, là-haut, tu ne perds rien pour attendre, tu m'entends? Ah, c'est comme ça que tu le prends, et pan!
Je suis très très déçu. Il est nul le pistolet. Et tu as un bon à rien. Les bons à rien, voilà ce que j'en fais moi. Enfin libre. Peace and love. Aïe. Alors, ville Manon, tu oses fouler mon territoire avec tes grosses popotes? Ah, tu veux la guerre? Ouais. Eh ben, tu vas l'avoir. Boris, vive l'aventure. Hop, hop, hop. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais, Boris? Attention. Faites gaffe, le voilà. Bah, où il va? Oh, pitié, bon. On n'aime pas l'eau. Et nous, Robetta, nous partons à l'aventure. Et c'est parti. C'est chouette, l'aventure. Où va-t-on, Boris? Aucune idée, mon petit pote. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Peut-être, mais il se passe pas grand-chose jusqu'à présent. Patience, ça va venir. Tenez, regardez. Oh là là! Au secours! Je perds mes anneaux! Mes anneaux! Boris, rends-moi mes anneaux tout de suite! Et maintenant, où on va? Elle ne sait pas! L'aventure continue! En avant! Yeah! Accrochez-vous! Ah! Vive l'aventure! Mes anneaux! J'ai encore perdu mes anneaux! Oui, l'aventure, ça fait mal aux fesses. Et maintenant, où est-ce qu'on va, Boris? Route vers l'inconnu. Chou-chou. C'est encore loin, l'inconnu? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. C'est peut-être là-haut. On n'y voit rien. On est dans les nuages. Quand c'est qu'on mange? Ben, c'est pas ici, en tout cas. On redescend. Chou-chou. Freine. Ah, trouve pas le frein. Boris, tout va bien? T'as une cassette? Eh non, quelle idée! Boris, on va où cette fois? Avec de la chance, le vent nous fera faire le tour du monde! Super! C'est chouette l'aventure! Waouh, ça souffle drôlement fort ici! Et on est drôlement haut! C'est la tempête! Elle arrive! Oh, je crois qu'on va s'écraser! Super l'aventure! Ouais, c'était génial! Bravo, Boris! Est-ce que quelqu'un a vu mes anneaux? Je me sens tout nu. Et maintenant, Boris, tu nous emmènes où? Ben, nulle part. Vous avez qu'à aller où vous voulez après tout. Oh, moi, je me sens fatiguée tout à coup. Bon, qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas. Oh, je vais aller me coucher. Ça alors? Elle nous a emmenés en barque, à cheval. On est allé en train vers l'inconnu. Et on a presque fait le tour du monde en ballon. Mais il n'a pas été fichu d'aller jusqu'à son lit. Faut le voir pour le croire. Boris! Salut, cousine! Ah oui, c'est bien! On doit vous laisser! On doit vraiment y aller! Bon, d'accord! A tout à l'heure, Alice! Au revoir, chérie! Bye bye! Boris, voici ta cousine Alice! Elle est à la maison jusqu'à 11h! Joue avec elle, mais sois gentille car elle est plus petite que toi! Mais, maman, je suis toujours très gentille, moi! Tiens, Alice, je vais te montrer mes jouets.
Chers amis, je vous présente ma petite cousine Alice. Elle est plus petite que moi, alors il faudrait être gentil avec elle, d'accord ? D'accord. Salut Alice. C'est ça tes jouets ? Toi, t'es vilain. Toi aussi, t'es vilain. Vilain. Vous êtes tous des vilains. Toi, vilain. Toi aussi. Vilain, vilain, vilain. Boris fait quelque chose. Bah oui, mais quoi? Je sais pas quoi, on pourrait vilain, lui taper vilain, sur la tête. Vilain, vilain, vilain. Je ne peux pas, j'ai promis à maman d'être gentil. Burk, pas bon. Maman, maman, maman. Maman, maman. Elle dit que mes jouets sont vilains et elle les tape en plus. Eh bien, tu n'as qu'à lui expliquer que ce n'est pas très gentil de faire ça. Bon, d'accord. Alice, tu sais, ce n'est pas très gentil ce que tu fais là. Boris, caca. Maman, oui, maman, oui. Maman, maman, elle dit que je suis caca. Elle me donne des coups de pied en plus. Peut-être que tu devrais l'emmener dans le jardin. Elle a besoin de se défouler, cette petite. D'accord, maman. Allez, viens, cousine. On va jouer dans le jardin. Oh là là, mais c'est pas bien rangé ici. Tu vas là. Toi, ici. Et oh. Et vous, sur le râteau. Mais... mais non, pas le droit de faire ça. Oh, bon, ça suffit comme ça. Tu vas voir, Boris va enfin le taper sur la tête, ça va être marrant. Et toi? Et maintenant, Alice, on se calme et puis on range tout, d'accord? Oui, Boris. Oh, ben ça alors! Vous auriez jamais cru qu'un bisou pouvait avoir autant d'effet! Oh, personne ne résiste à mes bisous. Boris. Allô. Alors, à qui le tour? À toi. Oh non, pas moi. À qui alors? Non, pas moi. Pas question. Oh bah non, j'ai quelque chose à faire. Ça va pas la tête. Sans façon. T'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. De quoi s'agit-il? Je vois le genre. De toute façon, je vais choisir moi-même. Toi. Et puis toi. Toi aussi. Maman. Et toi pareil. Bon, décidément, ils te les foutent tous. Eh oui, c'est comme ça. Quant aux autres, patience. Je vais revenir vous chercher tout de suite. Oh, c'est cool. Il est temps de filer. Oui. Oh, oh. Vous vous croyez très malin, hein? Bon, très bien. Je me demande où ils sont cachés. Ça ne doit pas être très difficile de les trouver, ces gros bêtas. Attention, j'arrive. Chut, zut, le voilà. Alors comme ça, on joue à cache-cache. Qu'est-ce que tu vas croire? On est juste là par hasard. Oui, on se protège du soleil. Mais oui, c'est ça. Hé, hey, attendez-moi. Vous m'oubliez. Ben, où es-tu, canard? Je suis là. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu caché? Je me cachais pas. Je m'étais endormie derrière la porte. Bon, allez, faut se dépêcher. Les autres vous attendent. Je crois que j'ai le mal de mer. Cette eau est trop chaude. Oh non, elle est trop froide. Moi, je la trouve trop mouillée. Trop liquide.
Oui, et ben moi je trouve que Boris exagère. Il aurait pu nous demander notre avis. Eh oui, c'est comme ça les gars. Moi je n'aime pas prendre mon bain tout seul. Et puis après vous serez tout propre. Alors arrêtez de vous plaindre. Moi j'aime bien barboter. Oh toi ça va le faillot. Boris, tous à l'école. Boris, Boris, Boris. Hey, Momeu, t'as pas vu Boris? Je ne le trouve pas. Non, Canardo, et je le cherche depuis un moment. Vite, il faut le trouver. Boris, 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 Boris. Hey, petit clown, tu sais pas où est Boris? Non, moi aussi, je le cherche. Boris! Boris! Hé, vous trois, c'est pas la peine de chercher Boris. Personne ne l'a vu depuis ce matin. Mais où est-il? Où il a pu disparaître comme ça? Quand Boris est là, il nous embête. C'est vrai, mais quand il est pas là, nous, on s'embête. Oh, c'est compliqué, la vie. Qu'est-ce qui se passe, Chichi? Pourquoi vous couinez comme des petits veaux? Boris! Mais t'étais où? Hop là! Bah, j'étais à l'école, qu'est-ce que vous croyez? À l'école! Ouah! Incroyable! Mais, Boris, c'est quoi exactement l'école? Oui, c'est quoi? L'école? Mais c'est comme une maison, vous voyez? Ou plutôt, une grande maison. Non, une très, très, vraiment grande maison. Voilà, comme ça. Mais Boris, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande maison? Eh bien, dans cette grande, grande maison, il y a plein de petits Boris. Ils sont tous comme moi. Hein. Ils courent partout, même au plafond. Quoi? Plein de Boris qui courent au plafond? Quoi? Mais tu veux dire qu'il existe d'autres Boris comme toi? T'es sûr de ce que tu dis, là? Moi, je n'y crois pas. Mais enfin, c'est tout bonnement impossible, Boris. Pourtant, c'est vrai, les amis, je vous jure. Il y a un Boris à lunettes. Où j'ai donc mis mes lunettes? Il y a un Boris en robe. J'espère que vous ne me prenez pas pour une princesse. Il y a même un Boris, on comprend rien quand il parle. Votre compacho, vos little choubidouka. Non? Un Boris, bisous, bisous. Ah Boris, maman. Maman. Ah Boris, hop. Ah Boris, aïe. Aïe. Et ah Boris, pipi, pipi. Oh, pipi, ah, pipi. Silence. Et puis, il y a la maîtresse. C'est quoi ça? Ah, la maîtresse. C'est une sorte de maman, en fait, avec elle, on apprend à jouer et on joue à apprendre. Maîtresse, maîtresse. Un peu de silence, Boris. Oui, maîtresse. Maîtresse! Silence, Boris! Maîtresse, maîtresse, regardez! Silence, Boris! Hé, hey, maîtresse, maîtresse, c'est pourquoi? Silence, Boris! Hé, hey, maîtresse! Silence, Boris! Hé, hey, maîtresse! Silence, Boris! Ah! Cette maîtresse, elle répète souvent la même chose, hein. Et c'est assez rigolo, en fait. Je crois bien que l'école est le pire endroit de la Terre. Une vraie maison de fous! Heureusement, nous, on n'ira jamais à l'école! Silence, Boris!